le coach Loss pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de l'univers des crypto-monnaies. Et déjà, je remercie tous ceux qui font les partages des vidéos, tous ceux qui font des commentaires intelligents. Merci pour vos soutiens. Il y a des gens qui me trouvent sur WhatsApp pour me féliciter, m'encourager. Merci à vous pour vos encouragements. Merci à vous. On fait tout ce qu'on peut pour donner l'actualité. On fait tout ce qu'on peut pour donner la formation à nos frères. Au moins que chacun puisse être nanti d'une formation, au moins pour pouvoir se défendre. Voilà. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour vos partages des vidéos aussi. On m'appelle de beaucoup d'endroits. Je sais que c'est grâce à vous que ces vidéos-là parcourent le monde. Merci, merci à vous. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de la chute du coin. Tout le monde le sait, le Bitcoin a chuté. Nous allons parler de cette chute-là, mais nous allons parler aussi des NFT. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, actuellement, à l'heure de la vidéo, il est autour de 45 000 $. Il est même descendu jusqu'à 43 000 $ avant de remonter à 47. Actuellement, il est encore descendu à 43 000. Voilà. Actuellement, on va dire que depuis le début de la journée, il est autour de 45 000 actuellement. Donc, toute cette fluctuation du Bitcoin, selon certains experts, c'est dû au fait que certains investisseurs, jeunes investisseurs, ont paniqué pour faire des ventes. Et donc, on appelle ça des paniques sellers. Donc, c'est des gens qui paniquent pour aller vendre les crypto-monnaies par rapport à une news qu'ils ont entendue. Donc, ça crée une certaine euphorie et puis ça fait chuter le prix. Voilà, donc selon certains experts, c'est dû à ça parce que les baleines n'ont même pas touché à leur compte. Voilà, parce que les comptes des baleines, là, c'est surveillé par beaucoup de personnes. Donc les baleines n'ont même pas touché à leur compte. Au contraire, même les baleines sont allées en acheter. Quand les gens ont paniqué, là, les baleines sont allées acheter beaucoup de bitcoin. C'est ce qui fait que le prix même maintenant, il cherche à remonter encore. Les baleines savent déjà que le bitcoin n'a pas encore fait son dernier pic. Il y a un dernier pic du bitcoin qui est en train de venir. Et ce dernier pic-là, on attend le bitcoin à 100 000 $. Donc, cette information, c'est lié à beaucoup de facteurs et beaucoup de calculs mathématiques qui font que les gens font ce genre de prévisions. C'est pas fait sur genre un coup de tête. C'est des calculs mathématiques qui sont faits et qui permettent de pouvoir le faire. Et ça, ce sont des informations qu'on peut avoir au cours de nos différentes formations. Vous pouvez accéder à ces informations pour savoir comment travailler avec le marché. Qu'on soit en période baissière, qu'on soit en période haussière, vous pouvez savoir comment travailler sur le marché. Ça, c'est des informations qu'on... Mais déjà, ce qu'on peut vous dire, cette période-là, où le Bitcoin chute, là, c'est la période de venir acheter certaines crypto-monnaies. Voilà. Tu voulais payer du Shiba, 100 millions de Shiba, peut-être tu devais dépenser 1 000 $ ou 1 200 $, je ne sais pas. Mais à cette période, c'est que le Shiba a chuté. Donc, tu peux venir en acheter. Tu peux venir acheter même du Bitcoin, même de l'Ether, des ADA. Tu peux venir acheter beaucoup de crypto-monnaies qui sont déjà en train de... Tu peux acheter beaucoup de crypto-monnaies, voilà, qui sont à bas prix actuellement, avant cette montée fulgurante du Bitcoin qui arrive. Et donc, au cours de cette montée aussi, quand le Bitcoin va monter aussi, faut pas dire qu'il va, tu vas attendre encore, il n'a qu'à aller à 200 000 $. Ce que tu as investi, tu connais. Ce que tu as eu comme plus-value dessus, tu connais. Prends ce que tu as eu dessus et puis sors du marché. Ce qui va venir après ça, ça peut être encore d'autres bénéfices que tu as fait. Mais ne sois pas gourmand. Prends ce qui te revient et sors du marché. Voilà. Va sécuriser tes acquis d'abord et puis ensuite, tu reviens maintenant. S'il y a d'autres plus-values à prendre encore, tu vois. Mais déjà, ce que tu as fait comme stratégie, là, quand ça arrive, il ne faut pas être gourmand, il faut sortir du marché. C'est ce que je pouvais dire sur ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, parlons des NFT. Vous connaissez la plateforme PancakeSwap. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser la DeFi connaissent cette plateforme. Vous passez beaucoup swapper là-bas. Mais la PancakeSwap n'a pas de plateforme de NFT. Donc, ils ont décidé de lancer une plateforme de NFT dédiée à PancakeSwap. Comme la monnaie Ethereum à OpenSea, qui est une plateforme dédiée à Ethereum, et là-bas toutes les transactions se passent avec la pièce de gouvernance qui est Ethereum là-bas. Donc du coup, PancakeSwap aussi peut lancer pour eux aussi. Donc cela est prévu pour le 22 septembre. Donc vous allez voir sur PancakeSwap là-bas une plateforme dédiée uniquement aux NFT. Et maintenant, pourquoi ils veulent le faire? Ils veulent le faire et ils disent que
toutes les transactions qui vont se passer, que ce soit achat de NFT. D'abord, les NFT, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus, ce sont les non-fungible tokens. Avant de continuer, ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des tokens qui ne sont pas fungibles. Fungible, ça veut dire que on ne peut, ça veut dire qu'on dit il est non-fungible, ça veut dire qu'on ne peut pas interchanger, il est unique en son genre. C'est comme des tableaux de valeurs que tu as mais numériquement. Et donc, si tu as un NFT du, par exemple, de Didier Drogba, tu as un NFT de Didier Drogba, c'est-à-dire, comment on appelle, un truc numérisé de Didier Drogba, s'ils en ont fait seulement que 10 exemplaires, chaque exemplaire est unique en son genre. C'est ce qui fait de ça un NFT. Et c'est, on ne peut pas falsifier parce que c'est bloqué dans la blockchain. Et son identité est connue. On sait que ce NFT avec telle caractéristique est unique en son genre. Dans tout le monde entier, tu ne vas pas trouver deux de ça. C'est ce qui fait leur rareté. Et donc, du coup, tout ce qui est NFT devient quelque chose de très intéressant aujourd'hui pour ceux qui sont dans l'art ou bien ceux qui sont des collectionneurs. Voilà. Donc, même les collectionneurs débutants commencent à s'intéresser parce que des gens arrivent à faire beaucoup d'argent. Je vous ai déjà fait une vidéo d'un enfant de 12 ans qui a créé lui-même son propre NFT. Oui, avec la plateforme PancakeSwap, je pense qu'il sera possible aussi de créer des NFT comme OpenSea aussi, où on peut créer des NFT. Ce serait possible de créer aussi des NFT sur PancakeSwap. Ce serait possible d'en acheter, ce serait possible d'en vendre là-bas. L'objectif, c'est ça. Mais l'objectif principal de cette plateforme, c'est qu'eux veulent générer beaucoup de cakes pour les brûler. Ils veulent brûler les cakes pour rarifier le nombre de cakes en circulation. Actuellement, le nombre de cakes en circulation, c'est autour de 222 millions de cakes en circulation. Ils ont créé 222 millions et les 222 millions sont en circulation. Ils veulent trouver quelle stratégie, une certaine stratégie pour pouvoir faire réduire cette quantité en circulation pour que ça monte. Un peu comme Binance même le fait. Parce que ça, c'est une plateforme de DeFi dans l'écosystème Binance. Donc Binance aussi fait la même chose parce que chaque 3 mois, Binance récupère une certaine quantité de ses propres tokens qui brûlent. Et c'est des millions de dollars qu'ils mettent dedans pour brûler, juste pour rarifier la pierre pour que sa valeur monte. Et ils ont dit que quand le nombre de pièces va atteindre autour de 100 millions de BNB, ils vont arrêter les burns. Mais en attendant cela, ils sont en train de continuer à faire le burn chaque 3 mois. Donc c'est pourquoi vous voyez que dans un certain période, la pièce Binance fait des bons de x5, x10. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Hein, il y a les burns. Et donc c'est une pièce à avoir aussi dans votre holding aussi. Donc, en ce qui concerne le cake, donc, ils ont décidé avec la plateforme, les frais d'opération qui vont se passer, tout se passera avec le cake et ils vont récupérer ça pour brûler. Voilà. Et donc, ceux qui vont vouloir faire aussi du mint, ça veut dire frapper, c'est-à-dire qui vont vouloir créer eux-mêmes leur propre token NFT aussi, tout ça, les frais seront faits avec le cake. Or, la valeur du cake, c'est autour de 20,20 $ actuellement. Donc, ils vont payer ça pour pouvoir utiliser ça pour faire les frais, pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent comme transaction sur cette plateforme. Donc, eux veulent rarifier. Donc, tout ce qu'on appelle Mint aussi, vous comprenez que quand vous entendez Mint aussi, M-I-T, ça veut dire frapper. C'est un processus par lequel un artefact numérique, que ce soit photo, vidéo, musique, gift, devient une partie de la blockchain. C'est ce qu'on appelle un mint, et donc cela, ce terme là, vous allez entendre ça dans le domaine des NFT. Ne soyez pas paniqués, voilà ce que ça signifie simplement. Voilà, et donc les gens peuvent utiliser des photos pour pouvoir faire de ça un NFT, les rendre uniques et puis les bloquer dans la blockchain et vendre ça. Mais on peut pas acheter les photos de n'importe qui. Tu n'es pas une star, tu n'es pas un influenceur, et puis quelqu'un va aller acheter ta photo parce que tu as pris ça pour faire un NFT. Donc même si tu sais comment créer un NFT là, tu vas pas aller prendre ta photo pour faire un NFT là-bas parce que ça n'intéresse pas quelqu'un. Les NFT, c'est des choses qui intéressent les gens. Voilà pourquoi avant de pouvoir payer un NFT là, tu vas pas sur le marché pour payer n'importe quoi. De toute façon, il y a plus de 11 000 crypto-monnaies. C'est comme ça aussi les NFT existent depuis 2017. Ça est là, c'est en 2020 là qu'il a fait son explosion et 2021 ça continue encore. Donc, on ne peut pas payer n'importe quoi sur une plateforme parce que c'est un NFT. Non. Tu peux payer quelque chose qui n'a pas de valeur aussi. Donc, il faut connaître l'artiste qui est derrière. Il faut savoir son histoire. Tout ça. En fait, c'est comme un collectionneur d'art, quoi.
Voilà, c'est pourquoi ce n'est pas un marché qui intéresse beaucoup de personnes. Mais comment faire de l'argent là-bas et que nous sommes là pour créer de la richesse? Donc, il est de mon devoir de vous donner tout ce qu'il faut. Maintenant, à vous maintenant d'aller pousser vos recherches avant de pouvoir acquérir. Moi, j'ai 2 NFT, mais je ne les ai pas payés. Binance m'a donné un NFT. Un NFT dauphin par rapport à mon grade. Quand j'ai eu mon diplôme de Binance, on ne s'en planait pas à ça. Ce n'était pas prévu au départ. Mais quand on a fini, Binance a dit comme on a été vraiment courageux, plus d'une centaine de questions, hein, plus de 100 questions, et qui n'étaient même pas au cours de la formation. Les 100 questions n'étaient pas au cours de la formation. Il y a d'autres questions qu'il fallait aller faire toi-même, d'autres recherches. Après la formation que vous avez suivie avant de venir répondre aux questions, il fallait faire tout ça. Donc Binance a dit, on ne peut pas vous laisser, on va vous donner des NFT. Donc tous ceux qui ont participé, qui ont en tout cas eu leur diplôme, ont reçu des NFT. Et moi, j'ai reçu un NFT dauphin qui est unique aussi. Je suis le seul détenteur de ça dans le monde entier. Après ça, j'ai reçu encore un autre NFT, mais ce n'est pas Binance. Ça, c'est une plateforme qui faisait son lancement. Et donc, j'ai été informé de ça. Et donc, j'ai eu un NFT encore. Donc, tous ces 2 NFT sont déposés là. Je ne suis pas prêt à les vendre maintenant. C'est des pièces de collection et je les garde sur le long terme. Et donc, pour revenir à ça, donc ne payez pas n'importe quel NFT. Ok? Donc, par exemple, si Dido Drogba, il commence à s'intéresser aux NFT, lui, il peut créer, c'est une star, même s'il n'est plus trop actif aujourd'hui, mais c'est une star de foot. Lionel Messi peut créer son NFT et avec des nombres limités de NFT, et les gens vont courir dessus pour aller payer. Et ceux qui vont garder sur le long terme vont se faire beaucoup d'argent là-dessus. Voilà comment les NFT fonctionnent. Généralement, c'est des pièces de collection, comme des tableaux, mais c'est des tableaux numériques. Est-ce que vous comprenez? Les jumeaux Wickelbox, si vous connaissez leur histoire, ceux qui ont été les premiers initiateurs du projet Facebook, qui a été volé après par, Mark Zuckerberg, ceux-là, c'est des milliardaires du Bitcoin. Eux aussi, ils ont créé aussi leurs NFT. Les NFT s'est vendu un exemplaire à 300 000 $. Ça, je vous donne comme information si vous ne le savez pas. Donc, pour dire que les NFT, ça a de la valeur aussi. Donc, mais il faut savoir quel NFT je paye et puis je garde sur le long terme pour avoir beaucoup d'argent avec ça. Parce que ça peut s'évaluer plus tard à des millions. Parce que généralement, le nombre de NFT est limité, quoi. C'est pas fait beaucoup. Et quand c'est fait, chaque NFT est unique en son genre. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qui concerne le cake. Et donc, en ce qui concerne les brûlures, donc le cake va se raréfier sur le marché. Et donc, s'il continue de se raréfier sur le marché, qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Le prix qui est aujourd'hui autour de 20 $, je ne peux pas être étonné de le voir autour de 100 $, peut-être dans 6 mois, dans un an, ou même à 200 $, qui va aller prendre peut-être la place de Binance qui est à 400 $. Il peut se retrouver à 400 $ dans quelques mois, dans quelques années. Et Binance que tu vois aujourd'hui autour de 400 $, tu peux le voir en ce moment à 1000 $. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les cakes, là, c'est une pièce de Binance. Mais ils ne le disent pas officiellement. Ils disent que ça est simplement dans, comment on appelle, et ça est dans leur écosystème. Ils utilisent ça comme les pièces de DeFi, mais c'est faux. Parce que PancakeSwap, derrière, on ne connaît pas qui a créé. Ils ont créé l'anonymat autour de ça, mais comme ça fonctionne dans l'écosystème Binance, on est sûr et à 100% que tant qu'il soit, ça appartient à Binance, même si eux-mêmes ne le disent pas. Dans tout ça, tout ce que nous on sait aujourd'hui, c'est que Binance ne laisse jamais une de ses pièces en bas. Voilà pourquoi ils sont en train de trouver cette stratégie-là pour faire monter cette pièce-là. Donc, quoi qu'il en soit, que ça soit Binance, que ça ne soit pas Binance, on s'en fout. Nous, on est là pour faire de l'argent et donc, on te dit, ça là, ils veulent chercher à diminuer le nombre sur le marché. Et donc, toi, tu as l'information avant les autres. Il faut faire pour en avoir. Si c'est 2 ou si c'est 3 ou il faut faire pour en avoir. Mais il faut garder sur le long terme pour créer de la richesse avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cake. Voilà. Ensuite, une autre information aussi, il y a le PSG. Le PSG qui vient de lancer, un partenariat. Le partenariat, ça a été initié par la crypto-monnaie, la plateforme de crypto-monnaie qu'on appelle crypto.com. Crypto.com a signé un partenariat avec le PSG Paris Saint-Germain. Ils ont signé un partenariat dernièrement. Et dans ce partenariat, eux,
ils vont, comment on appelle, promouvoir cette plateforme de crypto-monnaie. Ils vont la promouvoir. Donc, quand vous partez maintenant, si vous voyez, comment on appelle, Paris Saint-Germain, puis vous voyez à côté crypto.com, ce n'est pas fortuit, c'est parce qu'il y a un partenariat, c'est un partenariat entre ces deux entités-là. Et Paris Saint-Germain gagne en sponsoring et crypto.com aussi gagne en popularité à cause des fans de Paris Saint-Germain et de d'autres personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie qui vont avoir une autre visibilité sur cette crypto-monnaie parce que c'est en même temps une plateforme d'échange et puis en même temps c'est une crypto-monnaie. Et donc actuellement la valeur est autour de 0,17$. Donc ne soyez pas étonnés de voir cette crypto-monnaie prend de l'ampleur, ça ne va pas se passer de façon fortuite, parce que la publicité, ce qu'ils sont en train de mettre comme argent, là, ils vont récupérer ça, multiplier par 100 plus tard. Voilà. Donc le nombre de pièces en circulation, c'est 4 milliards de pièces qu'ils ont fabriquées. Et donc, ils ont une capitalisation boursière qui est non négligeable. Et le nombre de pièces en circulation actuellement, c'est autour de 25 milliards de pièces sur... sur les 4 milliards de pièces qui ont été fabriquées, on a autour de 25 millions de pièces qui sont en circulation et ça continue de monter au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe encore sur la pièce? Le market cap aussi est vraiment intéressant. C'est des millions de dollars qu'on achète par jour sur la crypto-monnaie. Mais le partenariat, ils ont décidé de donner une partie de l'argent pour les frais. Là. Ils ont donné une partie de l'argent. Le paiement doit se faire avec le CRO. Le CRO, c'est la crypto-monnaie, comment on appelle ça? Crypto.com, là, leur crypto-monnaie s'appelle le CRO. C'est écrit CRO. CRO, c'est l'air plutôt monnaie, ça fait une valeur de 0,17$ actuellement. Et donc, ils ont décidé que pour les paiements, voilà, pour le contrat de sponsoring, là, une partie sera payée avec leur propre plutôt monnaie. Voilà, ça c'est une information importante. Pour dire que le monde physique est en train de basculer aussi pour entrer aussi dans le monde de la crypto monnaie. Donc, si les dirigeants des clubs, si les joueurs même commencent aussi à s'intéresser, les stars du foot, les stars de la musique, tout cela commence à s'intéresser. Surtout, je parle même du côté africain. Vous allez voir que si les managers commencent, les managers d'artistes commencent à savoir l'importance des NFT, ils vont commencer, les Africains vont commencer à utiliser cette technologie-là pour créer des NFT pour les stars de la musique, les stars du football. Et tout ça, ça va créer de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, avec la piraterie, vous voyez que tout est en train de changer. Actuellement, les gens font les téléchargements. Est-ce que les artistes gagnent de l'argent? On ne sait pas. Mais les artistes peuvent profiter aujourd'hui des NFT, s'ils savent. Ils peuvent profiter des NFT. Les gens les aiment. Ils vont au concert, c'est à cause de quoi? Mais si en même temps qu'ils font les téléchargements sur certains sites dédiés, mais en même temps qu'ils ont la possibilité d'avoir des NFT de ces artistes chanteurs-là, vous voyez déjà l'argent qu'ils peuvent créer, ces artistes-là peuvent créer. Ils vont créer de la richesse. C'est une autre façon de faire de l'argent. Si tu es un manager d'artiste et que tu écoutes cette vidéo, ça peut t'intéresser. Il faut commencer à creuser la question. Comment je peux créer un NFT pour mon artiste? Hein? Par exemple, les stars du foot, là, elles ont déjà l'argent. Mais je parle de nos artistes. Nos artistes, là. Parce que être artiste, là, je sais ce qu'il y a dedans. Moi-même, j'ai été artiste, chanteur. J'ai un album que j'ai sorti en son temps. Donc, je sais par quel moyen je suis passé. C'est pas facile. Si tu n'as pas un bon manager, si tu n'as pas un bon producteur, et moi-même, je me suis produit à moi. Ça veut dire que nous, on était trois dans le groupe, on s'est produit nous-mêmes. Hein? Vous voulez connaître la vidéo, comment on appelle le nom de mon groupe? C'était Évasion Plus. Évasion, là, vous écrivez avec Z. P-L-U-S. Évasion. Des Zion, là, c'est Z. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ma vidéo est là-bas. C'est sur YouTube là-bas. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on est passé par là et on sait que ce n'est pas facile. Donc, je donne cette idée aujourd'hui à ceux qui sont des artistes chanteurs qui ont des ambitions, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Salfo et tout ça. S'ils ont l'information, ils peuvent utiliser ça parce qu'ils sont déjà des stars. Ils peuvent créer des NFT et puis faire encore plus d'argent.
Donc il y a tellement de possibilités qu'on peut faire avec les NFT aujourd'hui. Même les politiques peuvent utiliser ça, que les gens les aiment aussi, peuvent utiliser aussi pour faire des NFT, même s'ils ne sont plus au pouvoir plus tard, mais leur NFT reste et demeure pour toujours, ça les immortalise. Hein? Nos écrivains, tous ceux-là peuvent utiliser des NFT. Ça dit que l'utilité des NFT, c'est vaste en fait. Mais les gens ne savent pas. Parce qu'ils ne font même pas de recherches pour savoir où la technologie est en train de nous amener. Vous voyez certains trucs, par exemple, comment on appelle, à la poste, les timbres poste. Les timbres poste sont collectionnés aujourd'hui. Les gens font la collection des timbres poste. Et certains qui ont gardé les anciens timbres poste, hein, les timbres de poste, la poste qu'on n'utilise pas trop aujourd'hui, la cause des mails. Les timbres poste sont utilisés aujourd'hui comme des NFT. Aux États-Unis, ils ont mis un institut en place qui a commencé à numériser les timbres poste aujourd'hui. Ils ont commencé à numériser. Et un citoyen même peut rester chez lui à la maison puis créer un NFT à partir de ça. Ça existe déjà aux États-Unis. Mais est-ce qu'en Afrique, on utilise ce genre de choses? Mais il faut utiliser. C'est la technologie est adaptée à tout le monde. Il suffit d'avoir la bonne formation et tu peux faire ce qu'il y a à faire. Tu peux aussi en payer aussi, être un bon collectionneur aussi, garder sur le long terme aussi. Donc Paris Saint-Germain, en tout cas comme je l'ai dit, ils ont fait ce partenariat avec cette crypto-monnaie et crypto.com que vous connaissez d'ailleurs, je suppose. Et donc, ne soyez pas étonnés. Si vous pouvez en prendre aussi, vous en prenez aussi, ça dépend de vous. Voilà. Ce n'est pas un conseil d'investissement comme je l'ai dit. Moi, je suis un passionné de crypto-monnaie, je donne l'information et à chacun de faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Maintenant, il y a une autre information, il y a une autre plateforme encore qu'on appelle FTX qui s'est offert aussi un stadium mythique. Comment? Ils ont créé un partenariat avec une université des États-Unis. D'abord, c'est une plateforme qui existe aux États-Unis. Voilà. Donc, ils ont créé un partenariat. Un partenariat où ils ont fait un don de plus de 8,5 millions de dollars à l'université de Berkeley. Voilà, cette université-là a donné le nom de leur stadium à crypto, comment on appelle, à FTX. La plateforme FTX a eu l'honneur aussi de donner son nom au stadium de cette université-là. Et donc, la plateforme FTX, là, la pièce, ils ont une pièce qu'on appelle aussi le FTX qui est déjà à 74,54$ actuellement où je vous parle. Et donc, quand ils font ce genre de partenariat, ne soyez pas étonnés, quelques temps après, vous allez voir la pièce va prendre de la valeur. Et donc, quand vous avez ce genre d'informations avant les autres, vous devez profiter du marché. Parce que vous comprenez, c'est pas pour rien, on vient vous donner ce genre d'actualité. Voilà. Et donc, le nom du stadium maintenant, ça serait FTI Field. FTI Field. Donc, désormais, le stadium de Berkeley, hein, l'université Berkeley, ça sera maintenant, comme on l'appelle, le FTI Field. Et donc, l'université aussi, le stade aussi fait autour de 73 000 places. Donc, 73 000 personnes pourront non seulement connaître c'est quoi la plateforme FTX, ils vont connaître la crypto-monnaie qu'on appelle FTX. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Forcément, ils vont en payer. Et ça serait pas seulement les 73 000 personnes. Ces 73 000 personnes ont des amis, ils ont des familles. Et donc, par effet cumulé aussi, vous allez comprendre que la plateforme, là, l'argent qu'ils ont déposé, là, le contrat doit durer seulement 10 ans. C'est un contrat de 10 ans où ils vont soutenir l'université. Ils ont même fait aussi un don de 200 000 dollars pour améliorer la qualité de vie de certains étudiants là-bas. Tout cela, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez comme financement qu'ils sont en train de faire pour l'université, ce n'est pas fait parce qu'ils aiment l'université. C'est parce qu'ils cherchent derrière l'université, le monde. Et comme peut-être c'est une université aussi qui a aussi une certaine renommée, donc ils vont profiter de ça. Et maintenant, le fait qu'eux-mêmes, leur nom sera donné au stadium de l'université, vous comprenez déjà que l'impact social, l'impact économique de tout ça aussi, ça va profiter à cette plateforme. Voilà. Et ils ne sont pas à leur premier essai. Ils ont même utilisé une star de football américain aussi, pour aussi sponsoriser aussi ces derniers aussi. Donc,
comprenez que les plateformes d'échange sont en train de se bousculer, en tout cas chacun pour pouvoir se faire une place au soleil et devenir la meilleure plateforme pour essayer de concurrencer Binance. Voilà, que on sait que Binance aujourd'hui, dans certains pays, Binance est beaucoup bousculé. Certains pays même ont interdit l'utilisation de Binance dans, sur leur territoire. Et donc, toutes ces plateformes sont en train de se battre aussi pour avoir une place aussi. Parce que si on l'a chassé là-bas, que nous, on remplit certaines conditions, on va nous accepter là-bas. Donc, c'est un marketing. Chacun tire le drap de son côté. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous donner comme information sur les NFT. Et pour vous dire que les non-fungible tokens, ce sont des crypto-monnaies pour certains. Ce sont des, comment on appelle, des choses de connexion. Et donc, si vous pouvez en avoir, c'est bon pour vous. Vous pouvez payer, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas des choses généralement qui sont spéculatives. Voilà, ça y est, genre, tu as payé aujourd'hui, en même temps, demain, tu vas vendre. Bon, c'est pas évident. Mais quand tu payes, il faut accepter de le mettre sur le long terme. C'est comme un tableau, tu as payé Mona Lisa aujourd'hui, hein, que tu ne peux pas avoir même d'ailleurs, mais c'est comme si tu as payé Mona Lisa aujourd'hui et puis tu laisses pendant 5 ans, 10 ans, mais quand tu essaies de revendre, ça fait beaucoup d'argent. Mais faites vos propres recherches là-dessus pour en savoir davantage sur ce monde qui est aussi une technologie qui est liée à la crypto-monnaie. Et donc, il est de notre devoir de vous faire des vidéos là-dessus. Je pense que la vidéo, on a donné le maximum d'informations. Pour tous ceux qui cherchent à se former aussi, je vous encourage à vous former. Dernièrement, j'ai formé un jeune étudiant, bon, en fait pas étudiant, qui est en classe de première. Ça m'a marqué beaucoup, vraiment ça m'a marqué parce que étant en classe de première, c'est-à-dire que cette année même qu'il va faire la classe de première, mais lui vient se former. Lui vient se former, c'est-à-dire que quand je vois des étudiants qui négligent, quand je vois des entrepreneurs qui négligent, je vois des fonctionnaires qui refusent de se former, mais qui sont toujours dans le domaine de la crypto-monnaie et ils vont attendre d'abord de perdre beaucoup d'argent d'abord avant de venir, ce qu'il a refusé au début là, il va venir faire. C'est comme les femmes. C'est comme les femmes, quand tu es en train de la manierer, elle est là, elle tourne, après c'est pour venir accepter. Donc du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que tu vas faire après là, il faut commencer en même temps et puis on va gagner en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Bah, vous ne voulez pas vous former, mais forcément, tant que tu restes à côté de l'eau là, tu vas te mouiller. Tu dis que tu ne veux pas te mouiller, non. Maintenant, tu t'en fais quoi à côté du marigot? Tu ne veux pas te mouiller, quitte là-bas. Mais tu ne veux pas quitter là-bas. Et puis, toi aussi, tu ne veux pas être mouillé. Ça ne peut pas marcher. Si tu ne quittes pas à côté du marigot, tu vas te mouiller. Tôt ou tard. Ça fait partie du jeu. Donc, si tu ne veux pas te mouiller là, tu mets aussi toutes les stratégies qu'il faut pour ne pas être mouillé. Si tu vas rentrer dans un bateau, pour ne pas te mouiller, si tu vas être dans pirogue, en tout cas, tout ce que tu peux faire là, tu vas faire pour que toi, tu ne sois pas mouillé. Sinon, tant que tu es dans affaire de crypto-monnaie, tu vas perdre de l'argent. Tu es obligé. Nous-mêmes qui sommes là, on a perdu de l'argent. Et puis, on a dit, bon, arrivé un moment, bon, c'est bon. Il faut arrêter le saignement maintenant. L'hémorragie a trop duré. Il faut couper l'hémorragie. Et puis, maintenant, se former maintenant pour chercher maintenant à rentabiliser. Et c'est ce que nous, on a fait. Pourquoi toi, tu ne veux pas faire aussi? Et tu veux toujours profiter. Et leader, ça là, je ne comprends pas. Leader, je suis arrivé sur Shiba Swap. Je suis bloqué. Mais tu ne veux pas te former. Combien de fois, moi, je vais prendre mon temps pour vous donner toutes ces informations. Et vous savez combien de personnes m'écrivent par jour sur WhatsApp. Mais ceux qui ont pris leur module de formation, je me concentre sur eux. Je me concentre sur eux. Il y en a même qui nous font déplacer pour aller dans d'autres pays pendant qu'on est dans nos propres pays ici. Vous ne voulez pas vous former. Vous ne voulez pas vous former. Voilà un enfant qui quitte à Giglo. Il quitte à Giglo. Il vient, il doit aller directement à Korogo pour aller commencer la rentrée là-bas. Mais il quitte à Giglo, il vient se former à Boaké à un mois avant de continuer à Korogo. Mais vous pensez que ça c'est quelqu'un à négliger. C'est un enfant, mais je lui ai donné le maximum d'informations. Ce que je lui ai donné, lui-même il est étonné. Il dit non mon petit, je t'encourage. Parce que j'aurais voulu moi-même avoir ce genre de courage. Et surtout, j'aurais voulu aussi, moi aussi, être à ta place à cette période de ma vie, mais je n'ai pas profité de ça. Je n'ai pas profité de ça. Crypto-monnaie, là, je n'ai pas profité, je n'ai pas eu l'information tôt. Sinon, en 2009, là, on avait la possibilité de payer même des bitcoins à moins cher parce qu'on était déjà dans le numérique. Mais on n'a pas eu l'information.
C'est jusqu'en 2016 que nous, on a eu les formations sur les crypto-monnaies. Donc, on va faire la queue pour arriver où on doit arriver. Mais d'ici là, on s'est donné aussi tout ce qui est comme barrage pour arriver où on doit arriver. Toi aussi, c'est la même chose que je te conseille. Tu ne peux pas rester là à prendre des miettes d'informations par-ci, par-là, les colmater. Tu penses que quand les gens viennent te donner les informations sur YouTube, ils vont tout te donner. Tu regardes une ou deux vidéos, tu penses que tu es fort. Tu t'en commences à faire les opérations, tu arrives au milieu, tu es bloqué. Et c'est là que tu cours pour venir maintenant. Tu dis, il faut m'aider, je suis bloqué à tel endroit. Je ne réagis pas devant les choses comme ça. Je ne réagis pas. Aujourd'hui, on t'a montré comment tu achètes. Et le jour, ça va monter, il est minuit. C'est là que tu vas m'envoyer pour dire, leader, il faut m'aider, je vais vendre mes baby dolls, leader, il faut m'aider, je vais vendre tant. Pendant que le leader lui-même, il est en train de chercher à vendre pour lui, ou bien les gens qui ont investi, qui lui ont donné des portefeuilles de gérer, là, il est en train de gérer pour ceux-là, lui va laisser ça pour aller s'occuper de toi. Ça ne marchera pas. Il faut être autonome. Prends ton destin en main. Tu viens te former, tu es autonome, tu fais ce que tu as à faire. Si c'est monté à 1h du matin, que tu te réveilles, tu as vu ça, tu fais ton swap. Tu prends ton argent, tu quittes le marché. C'est fini. Mais tu ne veux rien apprendre. Mais tu veux toujours gratuit. Quand on dit gratuit, et puis vous restez dans l'affaire de gratuit. Qu'est-ce qui se passe généralement? Quand vous restez dans gratuit, vous partez prendre un contrat corrompu quelque part. Tu t'en mets ça dans ton trust wallet, tu es content. Un matin, tu te lèves, ils ont vidé toutes tes crypto-monnaies qui étaient dans ton trust wallet. Parce que d'abord, ce n'est pas sécurisé. Les contrats que tu t'en prends là, il y a aussi des choses dérobées à l'intérieur de ces contrats-là, qui donnent accès à quelqu'un qui est assis quelque part là-bas, qui peut avoir accès à ton compte à distance. Est-ce que tu es au courant de ces risques-là? Tu as plein de crypto-monnaies dans ton compte. Tu as mélangé airdrop avec les crypto-monnaies que tu as payées. Des airdrops gratuits, on te dit que tu as 200 000 BNB gratuitement. Est-ce que c'est vrai? Tu t'en prends ça, tu t'en mélangé avec tes propres crypto-monnaies que toi tu as. Tu ne peux pas profiter de ça comme ça. Ce n'est pas possible. Quelque chose que tu as souffert pour avoir là, tu ne peux pas mélanger avec quelque chose que tu as eu gratuitement. Mais comme vous aimez gratuit partout, vous ne savez pas que gratuit là, il y a des pièges dérobés à l'intérieur qui peuvent avoir accès à ton compte à distance et vider ton compte un matin. Vider ton compte un matin. Le petit qui est venu faire sa formation, il a été victime de ça. Ils ont vidé son compte. Mais avec la formation aujourd'hui, il sait comment sécuriser son compte de A à Z. Il sait ça. Il est très fier et il s'en va, il peut faire son holding sur 5 ans. Sur 10 ans, il est en sécurité. Toi, tu es en train de faire holding. Tu ne sais même pas quelle plateforme choisir. Comment faire ton holding? Tu n'as aucune stratégie d'approche. Mais toi, tu dis que tu es en train de faire holding. Tu as payé quoi même pour holder là? C'est quoi que tu as payé pour holder? C'est quoi? C'est quelle crypto-monnaie tu allais payer? Qui te dit que cette crypto-monnaie est bonne? Tu as fait quelle analyse fondamentale technique là-dessus avant d'aller acheter? Parce que tu as vu sur un réseau social quelque part là, quelqu'un a dit ça là c'est bon, toi tu t'en payes aussi. Donc il faut t'asseoir pour rêver dessus, tu vas voir le résultat à la fin. Donc c'est la formation qui te rend autonome. On vous dit de vous former et donc apprenez déjà. Et quand tu apprends là, tu es autonome, tu peux faire ce que tu as à faire. Personne ne pourra t'embrouiller. On va t'envoyer n'importe quel projet là. Tu vas toi-même analyser en fond et tu vas savoir que ça c'est bon. Ou bien ça là c'est connerie même qu'on m'a donné. Je ne mets pas mon argent dedans. Et tu sais aussi comment je dois sécuriser aussi la plateforme où je m'avais gardé sur le long terme. Tu sais comment sécuriser ça. Voilà ce que tu peux apprendre au cours de la formation. Donc à bon entendeur, salut. En ce qui concerne ceux qui veulent se former pour les formations en ligne, je vais toujours laisser les liens en description. Vous essayez de rentrer en contact pour que on puisse vous donner votre formation à distance. Maintenant, pour ceux qui veulent se former physiquement aussi, comme je l'ai dit, dans la zone d'Abidjan, il y a le leader Elisabeth et le leader Bill qui sont en train de mettre en place aussi pour l'organisation d'Abidjan. Et c'est prévu pour le 23 et le 24 octobre. C'est deux jours de formation. C'est prévu pour le 24 et le 23 octobre 2021 à Abidjan, à la Bourse du Travail. Et donc, de 13 villes, bourse de travail de 13 villes. Donc, rentrez en contact avec le leader Elisabeth pour plus de détails. Voilà. Et puis, votre inscription, c'est pour bientôt. En ce qui concerne le Burkina aussi, la date aussi qui a été arrêtée, c'est le 30, le 31 et puis le 1er novembre de 2021. Voilà, ça c'est pour le Burkina. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec le leader Dieudonné pour votre inscription et pour pouvoir participer à cette formation aussi. Il y a aussi le Togo avec le leader Abraham qui est en train aussi de mettre en place aussi
son groupe aussi. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Je vais laisser aussi son contact aussi pour le Togo. Dès que le nombre qu'on attend aussi est atteint là-bas, on va faire un mouvement là-bas pour aussi aller donner aussi le peu que nous savons pour les aider aussi à avancer aussi dans le domaine de la crypto-monnaie, profiter au même niveau que tout le monde pour pouvoir tirer tout ce que la crypto-monnaie peut nous donner aujourd'hui. Donc, la balle est dans votre camp. En ce qui concerne tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, il y a aussi le coin Issia qui est en train aussi de se préparer aussi pour nous accueillir là-bas aussi. Voilà, donc on espère que d'autres villes de la Côte d'Ivoire aussi vont s'élever aussi et nous appeler pour qu'on vienne aussi communier avec eux, leur donner aussi l'information. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu tellement d'argent. Je posais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé depuis Couteau. Hein? Donc ce dernier-là, il a perdu beaucoup d'argent dans une activité qu'on appelle Chimol. Voilà, il a perdu beaucoup de millions dedans. Et donc c'est aujourd'hui, lui, il découvre la crypto-monnaie et il découvre aussi certaines de mes vidéos où je donnais aussi certains conseils. Et donc aujourd'hui, où il n'a même plus grand-chose, mais quand même, il est en train de se forcer. Il dit, leader, même si j'ai payé la formation là 20 000, jusqu'à arriver au montant qu'il faut pour pouvoir me former là, je vais me former parce que j'ai compris que c'est la crypto-monnaie qui est la solution. Et je sais aussi que je ne peux pas aussi avancer sans formation. Et ça, c'est des gens que j'encourage. Dès qu'on a fini de parler net, là, les minutes qui ont suivi, il vient de poser mon compte. Parce qu'il en veut. Il veut réussir aujourd'hui à partir de la crypto-monnaie. Et il se donne tous les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver aussi. Vous voulez avoir tout gratuitement sans rien faire. Est-ce qu'on peut avancer dans la vie avec ça? Même quand tu donnes quelque chose, c'est trop facile. Il faut commencer à avoir peur. Toute personne même qui acquiert quelque chose trop facilement, là, il ne va même pas prendre ça comme quelque chose d'important. Même quand vous partez draguer une fille et que vous l'avez facilement d'une certaine façon, vous pensez que ouais, c'est un acquis déjà, vous ne la considérez pas. Mais quand tu souffres, les parents te font tourner ici, tu rentres ici, il faut envoyer d'autres par là, d'autres là même, la fois envoyer cheval. Quand on finit de te fatiguer, quoi, hein? Quand la femme est devant toi, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière et tu vas la respecter. Tu vas la respecter. Et c'est normal que les parents font. C'est vrai qu'ils ne doivent pas exagérer, mais quand on va dans certaines bases aussi, on sait que c'est important aussi souvent. C'est important à un certain niveau aussi, c'est important pour pouvoir pousser l'être humain aussi qui aime trop la facilité à se réveiller pour se dire, même quand je viens demander quelque chose à quelqu'un, il faut te dire, va voir, chercher la connexion. Lui, il a pris son temps pendant que toi, tu dormais, tu faisais l'amour à ta femme. Là. Lui, il est en train de faire recherche. Toi, tu lui apportes quoi? Tu lui apportes quoi? Mais tout n'a qu'à être donné gratuitement. Est-ce que c'est normal? Donc apprenez à payer, à vous former, apprenez à aller chercher l'information. Rien ne sera, même Dieu même qui nous a créés, il ne nous a pas créés gratuitement. Est-ce que vous savez ça? Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais pourquoi il n'a pas dit, je vous crée, faites ce que vous voulez, allez vous amuser. Mais il dit, je vous ai créé, vous et les djinns, et tous les extraterrestres, tout ce que vous connaissez, pour m'adorer. Mais il n'a pas dit, on n'a qu'à aller s'amuser. Mais le prix à payer, c'est l'adoration aussi qui est là. Est-ce que tu comprends aussi? Tu vas aller au paradis, mais tu continues de faire les conneries. Tu vas arriver là-bas comment? Tu vas passer par le purgatoire d'abord, avant d'y arriver. Donc, il y a un prix à payer partout. Et ce prix à payer, il faut accepter de payer ce prix-là. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Une femme avant d'accoucher, là, c'est dans la douleur qu'elle accouche. Donc, son prix à payer, là, pour avoir cet enfant dans sa main, là, c'est la douleur de la maternité là, qu'elle va supporter. Et quand elle a supporté ça et que l'enfant est dans sa main, là, elle respecte cet enfant-là aussi. Elle respecte la vie qui est dans sa main. Si on lui donnait ça facilement, tu penses qu'elle allait prendre ça au sérieux? Dans tout ce que nous faisons dans la vie, en tout cas dans cette vie de dualité, où il y a le bien, il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le haut, il y a le bas, tout passe par cette vérité qui est immuable. Est-ce que vous comprenez? Il faut passer par ça. Donc, celui qui refuse, qui va avoir des raccourcis, là, c'est vrai, tu vas prendre un raccourci, mais à la fin, là-bas, tu vas payer le prix. Soit tu payes maintenant et tu te reposes après, soit tu refuses de payer maintenant et qu'est-ce qui se fait? Tu vas payer plus tard. Ça fait partie des risques de la vie, ça fait partie des systèmes déjà préétablis universellement pour que toi, tu puisses t'en sortir. Tu acceptes aujourd'hui de payer, de te former, de prendre tout le temps qu'il faut et de prendre toute la souffrance qui est dedans, les recherches de quoi, l'insomnie, tout ça tu vas accepter pour te former, pour avoir la connaissance.
et puis profiter de ça à vie, ou soit tu peux te contenter des bribes d'informations que tu as et tu vas penser que tu as déjà tous les acquis et puis tu t'en perdre des millions d'abord avant de revenir à la queue maintenant te former. Tu auras perdu du temps, c'est tout. C'est la seule chose qui est comme récompense, c'est perdre du temps, c'est tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et restez toujours connectés sur nos chaînes pour avoir toujours les meilleurs de l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité avant que ces opportunités ne deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. Je vous salue. Pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de l'univers des crypto-monnaies. Et déjà, je remercie tous ceux qui font les partages des vidéos, tous ceux qui font des commentaires intelligents. Merci pour vos soutiens. Il y a des gens qui me trouvent sur WhatsApp pour me féliciter, m'encourager. Merci à vous pour vos encouragements. Merci à vous. On fait tout ce qu'on peut pour donner l'actualité, on fait tout ce qu'on peut pour donner la formation à nos frères, au moins que chacun puisse être nanti d'une formation, au moins pour pouvoir se défendre. Voilà, donc on fait du mieux qu'on peut. Voilà, merci pour vos encouragements, merci aussi pour vos partages des vidéos aussi. On m'appelle de beaucoup d'endroits, je sais que c'est grâce à vous que ces vidéos-là parcourent le monde. Merci, merci à vous. Ok, aujourd'hui nous allons parler de la chute du Bitcoin. Tout le monde le sait, le Bitcoin a chuté. Nous allons parler de cette chute là, mais nous allons parler aussi des NFT. Voilà, donc en ce qui concerne le Bitcoin, actuellement à l'heure de la vidéo, il est autour de 45 000 $. Il est même descendu jusqu'à 43 000 $ avant de remonter à 47. Actuellement, il est encore descendu à 43 000. Voilà, actuellement, on va dire que depuis le début de la journée, il est autour de 45 000 actuellement. Donc, toute cette fluctuation du Bitcoin, selon certains experts, c'est dû au fait que certains investisseurs, jeunes investisseurs, ont paniqué pour faire des ventes. Et donc, on appelle ça des paniques sellers. Donc, c'est des gens qui paniquent pour aller vendre les crypto-monnaies par rapport à une news qu'ils ont entendue. Donc, ça crée une certaine euphorie et puis ça fait chuter le prix. Voilà, donc selon certains experts, c'est dû à ça parce que les baleines n'ont même pas touché à leur compte. Voilà, parce que les comptes des baleines là, c'est surveillé par beaucoup de personnes. Donc les baleines n'ont même pas touché à leur compte. Au contraire, même les baleines sont allées en acheter. Quand les gens ont paniqué là, les baleines sont allées acheter beaucoup de bitcoins. C'est ce qui fait que le prix même en train de chercher à remonter encore. Les baleines savent déjà que le bitcoin n'a pas encore fait son dernier pic. Il y a un dernier pic du bitcoin qui est en train de venir. Et ce dernier pic là, on attend le bitcoin à 100 000 $. Donc, cette information, c'est lié à beaucoup de facteurs et beaucoup de calculs mathématiques qui font que les gens font ce genre de prévisions. Ce n'est pas fait sur genre un coup de tête. C'est des calculs mathématiques qui sont faits et qui permettent de pouvoir le faire. Et ça, ce sont des informations qu'on peut avoir au cours de nos différentes formations. Vous pouvez accéder à ces informations pour savoir comment travailler avec le marché. Quand on soit en période baissière, quand on soit en période haussière, vous pouvez savoir comment travailler sur le marché. Ça, c'est des informations qu'on... Mais déjà, ce qu'on peut vous dire,
cette période-là, où le Bitcoin chute, là, c'est la période de venir acheter certaines crypto-monnaies. Voilà. Tu voulais payer du Shiba, 100 millions de Shiba, peut-être tu devais dépenser 1000 dollars ou 1200 dollars, je ne sais pas. Mais à cette période, je sais que le Shiba a chuté. Donc tu peux venir en acheter. Tu peux venir acheter même du Bitcoin, même de l'Ether, des ADA. Tu peux venir acheter beaucoup de crypto-monnaies qui sont déjà en train de... Tu peux acheter beaucoup de crypto-monnaies, voilà, qui sont à bas prix actuellement, avant cette montée fulgurante du Bitcoin qui arrive. Et donc, au cours de cette montée aussi, quand le Bitcoin va monter aussi, il ne faut pas dire qu'il va attendre encore, il n'a qu'à aller à 200 000 dollars. Ce que tu as investi, tu connais. Ce que tu as eu comme plus-value dessus, tu connais. Prends ce que tu as eu dessus et puis sors du marché. Ce qui va venir après ça, ça peut être encore d'autres bénéfices que tu as fait. Mais ne sois pas gourmand. Prends ce qui te revient et sors du marché. Voilà. Va sécuriser tes acquis d'abord et puis ensuite, tu reviens maintenant. S'il y a d'autres plus-values à prendre encore, tu vois. Mais déjà, ce que tu as fait comme stratégie, là, quand ça arrive, il ne faut pas être gourmand, il faut sortir du marché. C'est ce que je pouvais dire sur ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, parlons des NFT. Vous connaissez la plateforme PancakeSwap. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser la DeFi connaissent cette plateforme. Vous passez beaucoup swapper là-bas. Mais la PancakeSwap n'a pas de plateforme de NFT. Donc, ils ont décidé de lancer une plateforme de NFT dédiée à PancakeSwap. Comme la manière Ethereum à OpenSea, qui est une plateforme dédiée à Ethereum, et là-bas toutes les transactions se passent avec la pièce de gouvernance qui est Ethereum là-bas. Donc du coup, PancakeSwap aussi peut lancer pour eux aussi. Donc cela est prévu pour le 22 septembre. Donc vous allez voir sur PancakeSwap là-bas une plateforme dédiée uniquement aux NFT. Et maintenant pourquoi ils veulent le faire? Ils veulent le faire et ils disent que toutes les transactions qui vont se passer, que ce soit achat de NFT. D'abord, les NFT, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus, ce sont les non-fungible tokens. Avant de continuer, ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des tokens qui ne sont pas fungibles. Fungible, ça veut dire que quand on dit il est non-fungible, ça veut dire qu'on ne peut pas interchanger. Il est unique en son genre. C'est comme des tableaux de valeurs que tu as, mais numériquement. Et donc, si tu as un NFT du, par exemple, quoi, de Didier Drogba, tu as un NFT de Didier Drogba, c'est-à-dire, un truc numérisé de Didier Drogba, s'ils en ont fait seulement que 10 exemplaires, chaque exemplaire est unique en son genre. C'est ce qui fait de ça un NFT. Et c'est on ne peut pas falsifier parce que c'est bloqué dans la blockchain et son identité est connue. On sait que ce NFT avec telle caractéristique est unique en son genre. Dans tout le monde entier, tu vas pas trouver deux de ça. C'est ce qui fait leur rareté. Et donc, du coup, tout ce qui est NFT devient quelque chose de très intéressant aujourd'hui pour ceux qui sont dans l'art ou bien ceux qui sont des collectionneurs. Voilà. Donc, même les collectionneurs débutants commencent à s'intéresser parce que des gens arrivent à faire beaucoup d'argent. Je vous ai déjà fait une vidéo d'un enfant de 12 ans qui a créé lui-même son propre NFT. Oui, avec la plateforme PancakeSwap, je pense qu'il sera possible aussi de créer des NFT comme OpenSea aussi, où on peut créer des NFT. Ce serait possible de créer aussi des NFT sur PancakeSwap. Ce serait possible d'en acheter, ce serait possible d'en vendre là-bas. L'objectif, c'est ça. Mais l'objectif principal de cette plateforme, c'est qu'eux veulent générer beaucoup de cakes pour les brûler. Ils veulent brûler les cakes pour rarifier le nombre de cakes en circulation. Actuellement, le nombre de cakes en circulation, c'est autour de 222 millions de cakes en circulation. Ils ont créé 222 millions et les 222 millions sont en circulation. Ils veulent trouver une certaine stratégie pour pouvoir faire réduire cette quantité en circulation pour que ça monte. Un peu comme Binance même le fait. Parce que ça, c'est une plateforme de DeFi de Binance, dans l'écosystème Binance. Donc Binance aussi fait la même chose parce que chaque 3 mois, Binance récupère une certaine quantité de ses propres tokens qui brûlent. Et c'est des millions de dollars qu'ils mettent dedans pour brûler, juste pour rarifier la pierre pour que sa valeur monte. Et ils ont dit que quand le nombre de pièces va atteindre autour de 100 millions de BNB, ils vont arrêter les burns. Mais en attendant cela, ils sont en train de continuer à faire le burn chaque 3 mois. Donc c'est pourquoi vous voyez que à un certain période, la pierre Binance fait des bons de fois 5, fois 10, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe quand il y a les burns. Et donc c'est une pièce à avoir aussi dans votre holding aussi.
Donc, en ce qui concerne le cake, donc, ils ont décidé avec la plateforme, les frais d'opération qui vont se passer, tout se passer là avec le cake, et ils vont récupérer ça pour brûler. Voilà. Et donc, ceux qui vont vouloir faire aussi du mint, ça veut dire frapper, c'est-à-dire qui vont vouloir créer eux-mêmes leur propre token, NFT aussi. Tout ça, les frais seront faits avec le cake. Or, la valeur du cake, c'est autour de 20,20 $ actuellement. Donc, ils vont payer ça pour pouvoir utiliser ça pour faire les frais, pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent comme transaction sur cette plateforme-là. Donc, eux veulent rarifier. Donc, tout ce qu'on appelle mint aussi, vous comprenez que quand vous entendez mint aussi, M-I-T, ça veut dire frapper. C'est un processus par lequel un artefact numérique, que ce soit photo, vidéo, musique, gift, devient une partie de la blockchain. C'est ce qu'on appelle un mint. Et donc, cela, ce terme-là, vous allez entendre ça dans le domaine des NFT. Ne soyez pas paniqués. Ça, voilà ce que ça signifie simplement. Voilà. Et donc, les gens peuvent utiliser des photos pour pouvoir faire de ça un NFT, les rendre uniques et puis les bloquer dans la blockchain et vendre ça. Mais on ne peut pas acheter les photos de n'importe qui. Tu n'es pas une star, tu n'es pas un influenceur. Et puis quelqu'un va aller acheter ta photo parce que tu as pris ça pour faire un NFT. Donc, si, même si tu sais comment créer un NFT là, tu ne vas pas aller prendre ta photo pour faire un NFT là-bas. Parce que ça n'intéresse pas quelqu'un. Les NFT, c'est des choses qui intéressent les gens. Voilà pourquoi avant de pouvoir payer un NFT là, tu ne vas pas sur le marché pour payer n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a plus de 11 000 crypto-monnaies. C'est comme ça aussi les NFT existent. Depuis 2017, ça est là. C'est en 2020 là qu'il a fait son explosion et 2021 ça continue encore. Donc on ne peut pas payer n'importe quoi sur une plateforme parce que c'est un NFT. Non, tu peux payer quelque chose qui n'a pas de valeur aussi. Donc il faut connaître l'artiste qui est derrière, il faut savoir son histoire. Tout ça. En fait, c'est comme un collectionneur d'art quoi. Voilà, c'est pourquoi ce n'est pas un marché qui intéresse beaucoup de personnes. Mais comment faire de l'argent là-bas et que nous sommes là pour créer de la richesse. Donc il est de mon devoir de vous donner tout ce qu'il faut. Maintenant, à vous maintenant d'aller pousser vos recherches avant de pouvoir acquérir. Moi, j'ai deux NFT, mais je ne les ai pas payés. Binance m'a donné un NFT. Un NFT dauphin par rapport à mon grade. Quand j'ai eu mon diplôme de Binance, on ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas prévu au départ. Mais quand on a fini, Binance a dit comme on a été vraiment courageux. Plus d'une centaine de questions. Hein, plus de 100 questions. Et qui n'était même pas au cours de la formation. Les 100 questions n'étaient pas au cours de la formation. Il y a d'autres questions qu'il fallait aller faire toi-même, d'autres recherches. Après la formation que vous avez suivie avant de venir répondre aux questions, il fallait faire tout ça. Donc Binance a dit, on ne peut pas vous laisser, on va vous donner des NFT. Donc tous ceux qui ont participé, qui ont en tout cas eu leur diplôme, ont reçu des NFT. Et moi j'ai reçu un NFT dauphin, qui est unique aussi. Je suis le seul détenteur de ça dans le monde entier. Après ça, j'ai reçu encore un autre NFT, mais ce n'est pas Binance, ça c'est une plateforme qui faisait son lancement. Et donc, j'ai été informé de ça et donc, j'ai eu un NFT encore. Donc, tous ces deux NFT sont déposés là. Je ne suis pas prêt à les vendre maintenant. C'est des pièces de collection et je les garde sur le long terme. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, donc ne payez pas n'importe quel NFT. Ok? Donc, par exemple, si Dido Drogba, il commence à s'intéresser aux NFT. Lui peut créer, c'est une star, même s'il n'est plus trop actif aujourd'hui, mais c'est une star de foot. Lionel Messi peut créer son NFT et avec des nombres limités de NFT et les gens vont courir dessus pour aller payer. Et ceux qui vont garder sur le long terme vont se faire beaucoup d'argent là-dessus. Voilà comment les NFT fonctionnent. Généralement, c'est des pièces de collection, comme des tableaux, mais c'est des tableaux numériques. Est-ce que vous comprenez? Les jumeaux Wickelbox, si vous connaissez leur histoire, ceux qui ont été les premiers initiateurs du projet Facebook, qui a été volé après par Mark Zuckerberg, ceux-là, c'est des milliardaires du Bitcoin. Eux aussi, ils ont créé aussi leur NFT. Leur NFT s'est vendu un exemplaire à $300 000. Ça, je vous donne comme information si vous ne le savez pas. Donc, pour dire que les NFT, ça a de la valeur aussi. Donc, mais il faut savoir quel NFT je paye et puis je garde sur le long terme pour avoir beaucoup d'argent avec ça. Parce que ça peut s'évaluer plus tard à des millions. Parce que généralement, le nombre de NFT est limité. Quoi. C'est pas fait beaucoup. Et quand c'est fait, chaque NFT est unique en son genre. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qui concerne le cake. Et donc,
En ce qui concerne les brûlures, donc le cake va se raréfier sur le marché. Et donc, s'il continue de se raréfier sur le marché, qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Le prix qui est aujourd'hui autour de 20 dollars, je ne peux pas être étonné de le voir autour de 100 dollars, peut-être dans 6 mois, dans un an, ou même à 200 dollars, qui va aller prendre peut-être la place de Binance qui est à 400 dollars. Il peut se retrouver à 400 dollars dans quelques mois, dans quelques années. Et Binance que tu vois aujourd'hui autour de 400 dollars, tu peux le voir en ce moment à 1000 dollars. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les cakes là, c'est une pièce de Binance. Mais ils ne le disent pas officiellement. Ils disent que ça est simplement dans, comment on appelle, et ça est dans l'écosystème. Ils utilisent ça comme les pièces de DeFi, mais c'est faux. Parce que PancakeSwap derrière, on ne connaît pas qui a créé. Ils ont créé l'anonymat autour de ça, mais comme ça fonctionne dans l'écosystème Binance, on est sûr et à 100% que PancakeSwap, ça appartient à Binance. Même si eux-mêmes ne le disent pas. Dans tout ça, tout ce que nous on sait aujourd'hui, c'est que Binance ne laisse jamais une de ses pièces en bas. Voilà pourquoi ils sont en train de trouver cette stratégie-là pour faire monter cette pièce-là. Donc, quoi qu'il en soit, que ça soit Binance, que ça ne soit pas Binance, on s'en fout. Nous, on est là pour faire de l'argent. Et donc, on te dit, ça là, ils veulent chercher à diminuer le nombre sur le marché. Et donc, toi, tu as l'information avant les autres. Là. Il faut faire pour en avoir. Si c'est 2 ou si c'est 3 ou il faut faire pour en avoir. Mais il faut garder sur le long terme pour créer de la richesse avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cake. Voilà. Ensuite, une autre information aussi, il y a le PSG. Le PSG qui vient de lancer, comment on appelle, un partenariat. En fait, le partenariat, ça a été initié par la crypto-monnaie, la plateforme de crypto-monnaie qu'on appelle Crypto.com. Crypto.com a signé un partenariat avec le PSG Paris Saint-Germain. Ils ont signé un partenariat dernièrement. Et dans ce partenariat-là, eux, ils vont, promouvoir cette plateforme de crypto-monnaie. Ils vont la promouvoir. Donc, quand vous partez maintenant, si vous voyez... Paris Saint-Germain, puis vous voyez à côté crypto.com, ce n'est pas fortuit, c'est parce qu'il y a un partenariat, c'est un partenariat entre ces deux entités là, et Paris Saint-Germain gagne en sponsoring et crypto.com aussi gagne en popularité à cause des fans de Paris Saint-Germain et de d'autres personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie qui vont avoir une autre visibilité sur cette crypto-monnaie parce que c'est en même temps une plateforme d'échange et puis en même temps c'est une crypto-monnaie. Et donc, actuellement, la valeur est autour de 0,17 dollars. Donc, ne soyez pas étonnés de voir cette crypto-monnaie prendre de l'ampleur. Ça ne va pas se passer de façon fortuite parce que la publicité, ce qu'ils sont en train de mettre comme argent, là, ils vont récupérer ça multiplié par 100 plus tard. Voilà. Donc, le nombre de pièces en circulation, c'est 4 milliards de pièces qu'ils ont fabriquées. Et donc, ils ont une capitalisation boursière qui est non négligeable. Et le nombre de pièces en circulation actuellement, c'est autour de 25 milliards de pièces sur les 4 milliards de pièces qui ont été fabriquées, on a autour de 25 millions de pièces qui sont en circulation et ça continue de monter au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se passe encore sur la pièce? Le market cap aussi est vraiment intéressant, c'est des millions de dollars qu'on achète par jour sur la crypto-monnaie. Mais le partenariat, ils ont décidé de donner une partie de l'argent pour les frais là, ils ont donné une partie de l'argent, le paiement doit se faire avec le CRO. Le CRO c'est la crypto-monnaie, comment on appelle ça? Crypto.com, la crypto-monnaie s'appelle le CRO, c'est écrit CRO. CRO, c'est l'air plutôt monnaie, ça fait une valeur de 0,17 dollars actuellement. Et donc, ils ont décidé que pour les paiements, voilà, pour le contrat de sponsoring, là, une partie sera payée avec leur propre crypto-monnaie. Quoi. Voilà, ça c'est une information importante. Pour dire que le monde physique est en train de basculer aussi pour entrer aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, si les dirigeants des clubs, si les joueurs même commencent aussi à s'intéresser, les stars du foot, les stars de la musique, tout cela commence à s'intéresser. Surtout, je parle même du côté africain. Vous allez voir que si les managers commencent, les managers d'artistes commencent à savoir l'importance
des NFT, ils vont commencer, les Africains vont commencer à utiliser cette technologie-là pour créer des NFT pour les stars de la musique, les stars du football. Et tout ça, ça va créer de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, avec la piraterie, vous voyez que tout est en train de changer. Actuellement, les gens font les téléchargements. Est-ce que les artistes gagnent de l'argent? Je ne sais pas. Mais les artistes peuvent profiter aujourd'hui des NFT s'ils savent. Ils peuvent profiter des NFT. Les gens les aiment. Ils vont au concert, c'est à cause de quoi? Mais si en même temps qu'ils font les téléchargements sur certains sites dédiés, mais en même temps qu'ils ont la possibilité d'avoir des NFT de ces artistes chanteurs-là, vous voyez déjà l'argent qu'ils peuvent créer, ces artistes-là peuvent créer. Ils vont créer de la richesse. C'est une autre façon de faire de l'argent. Si tu es un manager d'artiste et tu écoutes cette vidéo, ça peut t'intéresser. Il faut commencer à creuser la question. Comment je peux créer un NFT pour mon artiste? Hein? Par exemple, les stars du foot, là, elles ont déjà l'argent. Mais je parle de nos artistes. Nos artistes, là. Parce qu'être artiste, là, je sais ce qu'il y a dedans. Moi-même, j'ai été artiste, chanteur. J'ai un album que j'ai sorti en son temps. Donc, je sais par quels moyens je suis passé. C'est pas facile. Si tu n'as pas un bon manager, si tu n'as pas un bon producteur, et moi-même, je me suis produit à moi. Ça veut dire que nous, on était trois dans le groupe, on s'est produit nous-mêmes. Hein? Vous voulez connaître la vidéo, comment on appelle le nom de mon groupe? C'était Évasion Plus. Évasion, là, vous écrivez avec Z. P-L-U-S. Évasion. De Zion, là, c'est Z. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ma vidéo est là-bas. Ça est sur YouTube là-bas. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on est passé par là et on sait que ce n'est pas facile. Donc, je donne cette idée aujourd'hui à ceux qui sont des artistes chanteurs qui ont des ambitions, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Salfo et tout ça. S'ils ont l'information, ils peuvent utiliser ça parce qu'ils sont déjà des stars. Ils peuvent créer des NFT et puis faire encore plus d'argent. Donc, il y a tellement de possibilités qu'on peut faire avec les NFT aujourd'hui. Même les politiques peuvent utiliser ça. Les gens les aiment aussi, peuvent utiliser aussi faire des NFT, même s'ils ne sont plus au pouvoir plus tard, mais leur NFT reste et demeure pour toujours, ça les immortalise. Hein? Nos écrivains, tout cela peut utiliser des NFT. Ça dit que l'utilité des NFT, c'est vaste en fait. Mais les gens ne savent pas. Parce qu'ils ne font même pas de recherches pour savoir où la technologie est en train de nous amener. Vous voyez certains trucs, par exemple, comment on appelle, à la poste, les timbres poste. Les timbres poste sont collectionnés aujourd'hui. Les gens font la collection des timbres poste. Et certains qui ont gardé les anciens timbres poste, hein, les timbres de poste, la poste qu'on n'utilise pas trop aujourd'hui, la cause des mails, là. Les timbres poste sont utilisés aujourd'hui comme des NFT. Aux États-Unis, ils ont mis une structure en place qui a commencé à numériser les timbres poste aujourd'hui. Ils ont commencé à numériser. Et un citoyen même peut rester chez lui à la maison puis créer un NFT à partir de ça. Ça existe déjà aux États-Unis. Mais est-ce qu'en Afrique, on utilise ce genre de choses? Mais il faut utiliser. C'est la technologie est adaptée à tout le monde. Il suffit d'avoir la bonne formation et tu peux faire ce qu'il y a à faire. Il peut aussi en payer aussi, être un bon collectionneur aussi, garder sur le long terme aussi. Donc Paris Saint-Germain, en tout cas, comme je l'ai dit, ils ont fait ce partenariat avec cette crypto-monnaie et crypto.com, que vous connaissez d'ailleurs, je suppose. Et donc, ne soyez pas étonnés, si vous pouvez en prendre aussi, vous en prenez aussi, ça dépend de vous. Voilà. Ce n'est pas un conseil d'investissement, comme je l'ai dit. Moi, je suis un passionné de crypto-monnaie, je donne l'information et à chacun de faire ce qu'il a à faire. C'est tout. Maintenant, il y a une autre information, il y a une autre plateforme encore qu'on appelle FTX qui s'est offert aussi un stadium mythique. Comment ? Ils ont créé un partenariat avec une université des États-Unis. D'abord, c'est une plateforme qui existe aux États-Unis. Voilà. Donc, ils ont créé un partenariat. Un partenariat où ils ont fait un don de plus de 8,5 millions de dollars à l'université de Berkeley. Voilà. Cette université-là a donné le nom de leur stadium à Crypto. FTX, la plateforme FTX a eu l'honneur aussi de donner son nom au stadium de cette université là. Et donc la plateforme FTX là, la pièce, ils ont une pièce qu'on appelle aussi le FTX qui est déjà à 74,54 dollars actuellement où je vous parle.
Et donc, quand ils font ce genre de partenariat, ne soyez pas étonnés, quelques temps après, vous allez voir la pièce va prendre la valeur. Et donc, quand vous avez ce genre d'informations avant les autres, vous devez profiter du marché. Parce que vous comprenez, c'est pas pour rien, on vient vous donner ce genre d'actualité. Voilà. Et donc, le nom du stadium maintenant, ça serait FTI Field. FTI Field. Donc, désormais, le stadium de Berkeley, hein, l'université Berkeley, ça sera maintenant, comment on l'appelle, le FTI Field. Et donc, l'université aussi, le stade aussi fait autour de 73 000 places. Donc, 73 000 personnes pourront non seulement connaître c'est quoi la plateforme FTX, ils vont connaître la crypto-monnaie qu'on appelle FTX. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Forcément, ils vont en payer. Et ça serait pas seulement les 73 000 personnes. Ces 73 000 personnes ont des amis, ils ont des familles. Et donc, par effet cumulé aussi, vous allez comprendre que la plateforme là, l'argent qu'ils ont déposé là, le contrat doit durer seulement 10 ans. C'est un contrat de 10 ans où ils vont soutenir l'université. Ils ont même fait aussi un don de 200 000 dollars pour améliorer la qualité de vie de certains étudiants là-bas. Tout cela, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez comme financement qu'ils sont en train de faire pour l'université, ce n'est pas fait parce qu'ils aiment l'université. C'est parce qu'ils cherchent derrière l'université, comment on appelle, le monde. Et comme peut-être c'est une université aussi qui a aussi une certaine renommée, donc ils vont profiter de ça. Et maintenant, le fait qu'eux-mêmes, leur nom sera donné au stadium de l'université, vous comprenez déjà que l'impact social, l'impact économique de tout ça aussi, ça va profiter à cette plateforme. Voilà. Et ils ne sont pas à leur premier essai. Ils ont même utilisé une star de football américain aussi, pour aussi sponsoriser aussi ces derniers aussi. Donc, comprenez que les plateformes d'échange sont en train de se bousculer, en tout cas chacun pour pouvoir se faire une place au soleil et devenir la meilleure plateforme pour essayer de concurrencer Binance. Voilà, que on sait que Binance aujourd'hui, dans certains pays, Binance est beaucoup bousculé. Certains pays même ont interdit l'utilisation de Binance sur leur territoire. Et donc, toutes ces plateformes sont en train de se battre aussi pour avoir une place aussi. Parce que si on l'a chassé là-bas, que nous, on remplit certaines conditions, on va nous accepter là-bas. Donc, c'est un marketing. Chacun tire le drap de son côté. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous donner comme information sur les NFT. Et pour vous dire que les non-fungible tokens, ce sont des crypto-monnaies pour certains. Ce sont des, comment on appelle, des choses de connexion. Donc, si vous pouvez en avoir, c'est bon pour vous. Vous pouvez payer, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas des choses généralement qui sont spéculatives. Voilà, ça y est, genre, tu as payé aujourd'hui, en même temps, demain, tu vas vendre. Bon, c'est pas évident. Mais quand tu payes, il faut accepter de le mettre sur le long terme. C'est comme un tableau, tu as payé Mona Lisa aujourd'hui, hein, que tu peux pas avoir même d'ailleurs, mais c'est comme si tu as payé Mona Lisa aujourd'hui et puis tu laisses pendant 5 ans, 10 ans, mais quand tu essaies de revendre, ça fait beaucoup d'argent. Mais faites vos propres recherches là-dessus pour en savoir davantage sur ce monde qui est aussi une technologie qui est liée à la crypto-monnaie. Et donc, il est de notre devoir de vous faire des vidéos là-dessus. Je pense que la vidéo, on a donné le maximum d'informations. Pour tous ceux qui cherchent à se former aussi, je vous encourage à vous former. Dernièrement, j'ai formé un jeune étudiant, bon, en fait pas étudiant, qui est en classe de première. Ça m'a marqué beaucoup, vraiment ça m'a marqué parce que étant en classe de première, c'est-à-dire que cette année même qu'il va faire la classe de première, mais lui vient se former. Lui vient se former. C'est-à-dire que quand je vois des étudiants qui négligent, quand je vois des entrepreneurs qui négligent, je vois des fonctionnaires qui refusent de se former, mais qui sont toujours dans le domaine de la crypto-monnaie et ils vont attendre d'abord de perdre beaucoup d'argent d'abord avant de venir, ce qu'il a refusé au début là, il va venir faire. C'est comme les femmes, quand tu es en train de la manierer, elle est là, elle tourne, après c'est pour venir accepter. Donc du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce que tu vas faire après là, il faut commencer en même temps et puis on va gagner en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ben, vous ne voulez pas vous former, mais forcément, tant que tu restes à côté de l'eau là, tu vas te mouiller. Tu dis que tu ne veux pas te mouiller, non. Maintenant, tu t'en fais quoi à côté du marigot? Tu ne veux pas te mouiller, quitte là-bas. Mais tu ne veux pas quitter là-bas. Et puis, toi aussi, tu ne veux pas être mouillé. Ça ne peut pas marcher.
Si tu ne quittes pas à côté de, du marigot, tu vas te mouiller tôt ou tard. Ça fait partie du jeu. Donc, si tu ne veux pas te mouiller, là, tu mets aussi toutes les stratégies qu'il faut pour ne pas être mouillé. Si tu vas rentrer dans un bateau, pour ne pas te mouiller, si tu vas être dans pirogue, en tout cas, tout ce que tu peux faire, là, tu vas faire pour que toi, tu ne sois pas mouillé. Sinon, tant que tu es dans affaire de crypto-monnaie, tu vas perdre de l'argent. Tu es obligé. Nous-mêmes qui sommes là, on a perdu de l'argent. Et puis, on a dit, bah, arrivé un moment, bon, c'est bon. Il faut arrêter le saignement maintenant. L'hémorragie a trop duré. Il faut couper l'énergie. Et puis maintenant, se former maintenant pour chercher maintenant à rentabiliser. Et c'est ce que nous, on a fait. Pourquoi toi, tu ne veux pas faire aussi? Et tu veux toujours profiter. Et leader, ça là, je ne comprends pas. Leader, je suis arrivé sur Shiba Swap. Je suis bloqué. Mais tu ne veux pas te former. Combien de fois, moi, je vais prendre mon temps pour vous donner toutes ces informations. Et vous savez combien de personnes m'écrivent par jour sur WhatsApp? Ceux qui ont pris leur module de formation, je me concentre sur eux. Je me concentre sur eux. Il y en a même qui nous font déplacer pour aller dans d'autres pays pendant qu'on est dans nos propres pays ici. Vous ne voulez pas vous former. Vous ne voulez pas vous former. Voilà un enfant qui quitte à Giglo. Il quitte à Giglo. Il vient, il doit aller directement à Korogo pour aller commencer la rentrée là-bas. Mais il quitte à Giglo, il vient se former à Boaké à un mois avant de continuer à Korogo. Mais vous pensez que ça, c'est quelqu'un à négliger. C'est un enfant, mais je lui ai donné le maximum d'informations. Ce que je lui ai donné, lui-même, il est étonné. Il dit non, mon petit, je t'encourage. Parce que j'aurais voulu moi-même avoir ce genre de courage. Et surtout, j'aurais voulu aussi, moi aussi, être à ta place à cette période de ma vie, mais je n'ai pas profité de ça. Je n'ai pas profité de ça. Crypto-monnaie, là, je n'ai pas profité, je n'ai pas eu l'information tôt. Sinon, en 2009, là, on avait la possibilité de payer même des bitcoins à moins cher parce qu'on était déjà dans le numérique. Mais on n'a pas eu l'information. C'est jusqu'en 2016 que nous, on a eu l'information sur les crypto-monnaies. Donc, on va faire la queue pour arriver où on doit arriver. Mais d'ici là, on s'est donné aussi tout ce qui est comme bagage pour arriver où on doit arriver. Toi aussi, c'est la même chose que je te conseille. Tu ne peux pas rester là à prendre des miettes d'informations par-ci, par-là, les colmater. Tu penses que quand les gens viennent te donner les informations sur YouTube, ils vont tout te donner. Tu regardes une ou deux vidéos, tu penses que tu es fort. Tu t'as commencé à faire les opérations, tu arrives au milieu, tu es bloqué. Et c'est là que tu coupes pour venir maintenant. Il dit, faut m'aider, je suis bloqué à tel endroit. Je ne réagis pas devant les choses comme ça. Je ne réagis pas. Aujourd'hui, on t'a montré comment tu achètes. Et le jour, ça va monter, il est minuit. C'est là que tu vas m'envoyer pour dire, leader, il faut m'aider, je vais vendre mes baby dolls. Leader, il faut m'aider, je vais vendre tant. Pendant que le leader lui-même, il est en train de chercher à vendre pour lui. Ou bien les gens qui ont investi, qui lui ont donné des portefeuilles de gérer, là, il est en train de gérer pour ceux-là. Lui va laisser ça pour aller s'occuper de toi. Ça ne marchera pas. Il faut être autonome. Prends ton destin en main. Tu viens te former, tu es autonome, tu fais ce que tu as à faire. Si c'est monté à 1h du matin, que tu te réveilles, tu as vu ça, tu fais ton swap, tu prends ton argent, tu quittes le marché. C'est fini. Mais tu ne veux rien apprendre. Mais tu veux toujours gratuit. Quand on dit gratuit, et puis vous restez dans l'affaire de gratuit. Qu'est-ce qui se passe généralement? Quand vous restez dans gratuit, vous passez prendre un contrat corrompu quelque part. Tu t'en mets ça dans ton trésor, allez, tu es content. Un matin, tu te lèves, ils ont piqué toutes tes crypto-monnaies qui étaient dans ton trésor. Parce que d'abord, ce n'est pas sécurisé. Les contrats que tu t'en vas prendre là, il y a aussi des choses dérobées à l'intérieur de ces contrats-là qui donnent accès à quelqu'un qui est assis quelque part là-bas qui peut avoir accès à ton compte à distance. Est-ce que tu es au courant de ces risques-là? Tu as plein de crypto-monnaies dans ton compte. Tu as mélangé airdrop avec les crypto-monnaies que tu as payées. Des airdrops gratuits, on te dit tu as 200 000 BNB gratuitement. Est-ce que c'est vrai? Tu t'en prends ça, tu t'en mélanges avec tes propres crypto-monnaies que toi tu as. Tu ne peux pas profiter de ça comme ça. C'est pas possible. Quelque chose que tu as souffert pour avoir là, tu ne peux pas mélanger avec quelque chose que tu as eu gratuitement. Mais comme vous aimez gratuit partout, vous ne savez pas que gratuit là, il y a des pièges dérobés à l'intérieur qui peuvent avoir accès à ton compte à distance et vider ton compte un matin. Vider ton compte un matin. Le petit qui est venu faire sa formation, il a été victime de ça. Ils ont vidé son compte. Mais avec la formation aujourd'hui, il sait comment sécuriser son compte de A à Z. Il sait ça. Il est très fier et il s'en va. Il peut faire son holding sur 5 ans. Sur 10 ans, il est en sécurité. Toi, tu es en train de faire holding. Tu ne sais même pas quelle plateforme choisir. Comment faire ton holding. Tu n'as aucune stratégie d'approche. Mais toi, tu dis que tu es en train de faire holding.
tu as payé quoi même pour Holdé là? C'est quoi tu as payé pour Holdé? Hmm? C'est quoi? C'est quelle crypto-monnaie tu allais payer? Qui te dit que cette crypto-monnaie est bonne? Tu as fait quelle analyse fondamentale technique là, avant d'aller acheter? Parce que tu as vu sur un réseau social quelque part là, quelqu'un a dit ça là c'est bon, toi tu t'en as payé aussi. Donc il faut t'asseoir pour rêver dessus, tu vas voir le résultat à la fin. Donc c'est la formation qui te rend autonome. On vous dit de vous former et donc apprenez déjà. Et quand tu apprends là, tu es autonome, tu peux faire ce que tu as à faire. Personne ne pourra t'embrouiller. On va t'envoyer n'importe quel projet là. Tu vas toi-même analyser en fond et tu vas savoir que ça, c'est bon. Ou bien ça, là, c'est connerie même qu'on m'a donné. Je ne mets pas mon argent dedans. Et tu sais aussi comment je dois sécuriser aussi la plateforme où je m'avais gardé sur le long terme. Tu sais comment sécuriser ça. Voilà ce que tu peux apprendre au cours de la formation. Donc, à bon entendeur, salut. En ce qui concerne ceux qui veulent se former pour les formations en ligne, je vais toujours laisser les liens en description. Vous essayez de rentrer en contact pour que on puisse vous donner votre formation à distance. Maintenant, pour ceux qui veulent se former physiquement aussi, comme je l'ai dit, dans la zone d'Abidjan, il y a le leader Elisabeth et le leader Bill qui sont en train de mettre en place aussi pour l'organisation d'Abidjan. Et c'est prévu pour le 23 et le 24 octobre. C'est deux jours de formation. C'est prévu pour le 24 et le 23 octobre 2021 à Abidjan, à la Bourse du Travail. Et donc, de 13 villes, Bourse du Travail de 13 villes. Donc, rentrez en contact avec le leader Elisabeth pour plus de détails. Voilà. Et puis, votre inscription, pareil, c'est pour bientôt. En ce qui concerne le Burkina aussi, la date aussi qui a été arrêtée, c'est le, je crois, c'est le 30, le 31 et puis le 1er novembre, hein, de 2021. Voilà, ça, c'est pour le Burkina. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec le leader Dieudonné pour votre inscription et pour pouvoir participer à cette formation aussi. Il y a aussi le Togo avec le leader Abraham qui est en train aussi de mettre en place aussi son groupe aussi. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Je vais laisser aussi son contact aussi pour le Togo. Dès que le nombre qu'on attend aussi est atteint là-bas, on va faire un mouvement là-bas pour aussi aller donner aussi le peu que nous savons pour les aider aussi à avancer aussi dans le domaine de la crypto-monnaie, profiter au même niveau que tout le monde pour pouvoir tirer tout ce que la crypto-monnaie peut nous donner aujourd'hui. Et donc, la balle est dans votre camp. En ce qui concerne tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, il y a aussi le coin Issia qui est en train aussi de se préparer aussi pour nous accueillir là-bas aussi. Voilà, donc on espère que d'autres villes de la Côte d'Ivoire aussi vont s'élever aussi et nous appeler pour qu'on vienne aussi communier avec eux, leur donner aussi l'information. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu tellement d'argent. Je posais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé depuis Couteau. Hein? Donc, ce dernier-là, il a perdu beaucoup d'argent dans une activité qu'on appelle Chimol. Voilà, il a perdu beaucoup de millions dedans. Et donc, c'est aujourd'hui, lui, il découvre la crypto-monnaie et il découvre aussi certaines de mes vidéos où je donnais aussi certains conseils. Et donc, aujourd'hui, où il n'a même plus grand-chose, mais quand même, il est en train de se forcer. Il dit, leader, même si j'ai payé la formation là, 20 000, jusqu'à arriver au montant qu'il faut pour pouvoir me former là, je vais me former parce que j'ai compris que c'est la crypto-monnaie qui est la solution. Et je sais aussi que je ne peux pas aussi avancer sans formation. Et ça, c'est des gens que j'encourage. Dès qu'on a fini de parler net là, les minutes qui ont suivi, je viens de poser mon compte. Parce qu'il en veut. Il veut réussir aujourd'hui à partir de la crypto-monnaie. Et il se donne tous les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver aussi. Vous voulez avoir tout gratuitement sans rien faire. Est-ce qu'on peut avancer dans la vie avec ça? Même quand tu es dans ce truc, c'est trop facile. Il faut commencer à avoir peur. Toute personne même qui acquiert quelque chose trop facilement, là, il ne va même pas prendre ça comme quelque chose d'important. Même quand vous partez draguer une fille et que vous l'avez facilement d'une certaine façon, vous pensez que ouais, c'est un acquis déjà, vous ne la considérez pas. Mais quand tu souffles, les parents te font tourner ici, tu rentres ici, il faut envoyer d'autres par là, d'autres là même, il faut envoyer cheval. Quand on finit, tu es fatigué, quoi. Hein? Quand la femme est devant toi, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière et tu vas la respecter. Tu vas la respecter. Et c'est normal que les parents font, c'est vrai qu'ils ne doivent pas exagérer, mais quand on va dans certaines bases aussi, on sait que c'est important aussi souvent. C'est important à un certain niveau aussi, c'est important pour pouvoir pousser l'être humain aussi qui aime trop la facilité à se réveiller pour se dire, même quand je viens demander quelque chose à quelqu'un, il faut te dire, va voir, chercher la connexion. Lui, il a pris son temps pendant que toi, tu dormais, tu faisais l'amour à ta femme. Là. Lui, il est en train de faire recherche. Toi, tu lui apportes quoi? Tu lui apportes quoi? Mais tout n'a qu'à être donné gratuitement. Est-ce que c'est normal?
Donc apprenez à payer. Apprenez à payer pour vous former. Apprenez à aller chercher l'information. Rien ne sera, même Dieu même qui nous a créés. Il ne nous a pas créés gratuitement. Est-ce que vous savez ça? Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais pourquoi il n'a pas dit, je vous crée, faites ce que vous voulez, allez vous amuser. Mais il dit, je vous ai créé, vous et les djinns, et tous les extraterrestres, tout ce que vous connaissez, pour m'adorer. Mais il n'a pas dit, on n'a qu'à aller s'amuser. Mais le prix à payer, c'est l'adoration aussi qui est là. Est-ce que tu comprends aussi? Tu vas aller au paradis, mais tu continues de faire les conneries. Tu vas arriver là-bas comment? Tu vas passer par le purgatoire d'abord, avant d'y arriver. Donc, il y a un prix à payer partout. Et ce prix à payer, il faut accepter de payer ce prix-là. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Une femme avant d'accoucher, là, c'est dans la douleur qu'elle accouche. Donc, son prix à payer, là, pour avoir cet enfant dans sa main, là, c'est la douleur de la maternité là, qu'elle va supporter. Et quand elle a supporté ça, et que l'enfant est dans sa main, là, elle respecte cet enfant-là aussi. Elle respecte la vie qui est dans sa main. Si on lui donnait ça facilement, tu penses qu'elle allait prendre ça au sérieux? Dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans, en tout cas dans cette vie de dualité, où il y a le bien, il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le haut, il y a le bas, tout passe par cette vérité qui est immuable. Est-ce que vous comprenez? Il faut passer par ça. Donc celui qui refuse, qui va avoir des raccourcis, là, c'est vrai, tu vas prendre un raccourci, mais à la fin là-bas, tu vas payer le prix. Soit tu payes maintenant et tu te reposes après, soit tu refuses de payer maintenant et qu'est-ce qui se fait? Tu vas payer plus tard. Ça fait partie des risques de la vie. Ça fait partie des systèmes déjà préétablis universellement pour que toi, tu puisses t'en sortir. Tu acceptes aujourd'hui de payer, de te former, de prendre tout le temps qu'il faut et de prendre toute la souffrance qui est dedans, les recherches de quoi, l'insomnie, tout ça, tu vas accepter pour te former, pour avoir la connaissance et puis profiter de ça à vie. Ou soit, tu peux te contenter des bribes d'informations que tu as. Et tu vas penser que tu as déjà tous les acquis et puis tu t'en perds des millions d'abord avant de revenir à la queue maintenant te former. Tu auras perdu du temps, c'est tout. C'est la seule chose qui est comme récompense, c'est perdre du temps, c'est tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et restez toujours connectés sur nos chaînes pour avoir toujours les meilleurs de l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité avant que ces opportunités ne deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. Je vous salue.